Bonjour à tous, bienvenue sur Univers Tesla. Je vous amène aujourd'hui sur le circuit de la Ferté-Gaucher. C'est parti, on y va. Alors, nous voilà au superchargeur de Brive-la-Gaillarde. C'est un arrêt que j'aurais pu éviter en roulant un peu plus doucement. Si j'avais roulé en dessous des limitations de vitesse, ça m'aurait évité le superchargeur de Brive-la-Gaillarde. J'aurais pu aller jusqu'à Limoges. Mais là, j'ai choisi de rouler aux vitesses normales et de faire un arrêt express de 6 minutes. Et voilà, nous repartons de Brive-la-Gaillarde, direction Limoges, une heure de route. Au relais Saint-Jacques, donc je voulais faire une petite dédicace à Anthony de la chaîne Tesla Enthousiaste. Donc Anthony, je te confirme les toilettes du superchargeur de Châteauroux, super propre, super clean, ça change vraiment des toilettes d'autoroute. J'avais prévu d'aller jusqu'à Orléans faire une petite session de charge au superchargeur, mais le superchargeur d'Orléans est indisponible. Je vais pousser jusqu'au superchargeur de Thiers. Et ensuite, ce sera mon dernier arrêt jusqu'à la Ferté-Gaucher. Donc la Ferté-Gaucher, c'est ici. Le système Tesla est très bien fait parce que là, j'avais le superchargeur d'Orléans qui était hors service. Et la voiture me l'a signalé directement. Donc tout est connecté, la voiture est en 4G, les superchargeurs communique aussi par les réseaux. Donc on a une disponibilité temps réel des superchargeurs. Là vous voyez les petites barres rouges, c'est l'occupation des superchargeurs. Alors je repars de Châteauroux, j'ai une estimation de batterie à l'arrivée prévue de 5%, donc je vais pas faire le foufou sur la route. Je crois que je vais regretter de pas avoir mis mes aero wheels aujourd'hui. On croise les doigts, tout devrait bien se passer. Enfin, je l'espère. Il est 11h36. Je suis arrivé à Paris. Voilà, donc un Toulouse-Paris dans la matinée en Tesla Model 3 SR+, c'est possible, à condition de se lever tôt. Allez, un petit coup de lingette désinfectante. Voilà, hop, coronavirus oblige. Saloperie. Voilà. Allez, grand moment, circuit de la Ferté-Gaucher, 99%. Donc on va faire un petit tour de chauffe pour essayer. On va voir si la batterie tient le coup, si la tenue de route tient le coup. Là, je découvre le circuit, hein, vraiment. Confiance, c'est génial.
la conso. Ah ben voilà, c'est tout rouge. Et non, ça sent le pneu ici. Ça sent le pneu. Circuit de la Ferté Gaucher, c'est terminé. Je rentre sur Toulouse. Alors il est 17h30. Ça me fait arriver à 2h du matin à Toulouse. Donc je pense que je vais tester le camp mode ce soir. Allez, dernière supercharge de la journée. Hop. Allez, mange ma petite. Hop. Alors, boum, c'était chaud. 2%. Allez, c'est parti pour une petite supercharge. Mais on a bien roulé aujourd'hui parce que j'ai fait 1137 km. J'ai consommé 203 kWh. Et une moyenne sur ces 1000 km, 1100 km de 17,9 kW aux 100 km. Donc voilà, on va mettre un peu de jus dans la batterie. Alors, j'ai donc activé ici le camp mode. J'ai protégé le pare-brise de ma voiture avec un pare-soleil pour être tranquille avec la lumière du jour. Et là, voilà, j'ai installé un lit. Je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça donne. Donc voilà, vu du coffre, je vais passer une bonne nuit. Allez, test du camp mode. J'ai la batterie à 80%. J'ai réglé la climatisation à 20 degrés. On verra demain ce que ça a consommé comme batterie. Et je vous dirai si on dort bien dans une Model 3 ou pas. Voilà, allez, à demain. Bonne nuit. Ciao, ciao. Bien voilà, la nuit dans la Model 3 s'est très très bien passée. On dort vraiment très très bien dans une Model 3. Pas de soucis. Donc ça dépanne bien ce camp mode quand même. Voilà, alors en mode camp, vous avez un très joli écran comme celui-ci, 61%, donc ça a quand même pas mal consommé.